Déjà, j'ai l'important pour me défendre une réflexion par rapport avec deux gros événements ça, qui étaient faits hier, le 29, dans la Miami. Côté de gagner d'un côté le groupe Zafem, qui pratiquement se sent à son moment, et de notre côté, nous avons gagné Beijing, Cadillac, Class, Annie Alert. 18e anniversaire, il y a une grosse soirée qui fête chaque année, qui est le Grand Nord. Je devrais attirer l'attention par rapport avec une réflexion que je suis capable de traverser ensemble l'industrie, surtout bon côté journaliste ou encore animateur qui proclame. Les simples, mesdames, messieurs. Zafem sorti il y a pas mal de temps et Zafem, en si peu de temps, nous avons dit ça, les mettait ou encore les gagner en notoriété parce que sorti un album qui est spectaculaire, un album qui opère. Et de notre côté, il y a une classe qui a 11 ans depuis l'exister, qui pratiquement fait tout sa gain dans la market, là, tout sa gain dans l'industrie, et pas de mentir dans ça. Mais il n'y a même pas qu'à comprendre, est-ce que par exemple, dans une soirée classe Beijing Cadillac Annie Alert, est-ce que Beijing Cadillac Annie Alert papoté apport par contribution par rapport avec réussite soirée ça? Pour qui ça, un peu fanatique, journaliste, animateur, il a plus voulu montrer que c'était en compétition classe Zafem. Ensemble de réflexions, ça a poussé me poser des questions. Pour qui ça, malgré Beijing Cadillac fait 2 ans à mener, plus passer ça même, et au grand force qui est énorme dans le bus selon moi-même, il a plus à mentionner classe. Est-ce que c'est un objectif pour capable de faire une comparaison directe entre classe et Zafem? Parce que nous avons l'impression qu'il y a minimisé à port Beijing Cadillac Agnalette dans l'événement que fait hier là. Dans le cadre de réflexion, je me pose une même question ça, qui c'est Kadji Wolf, qui sont communicateurs sociaux et qui ont une réflexion qui est beaucoup plus neutre passée, pour venir aider me réfléchir sur ça. Pour qui ça? Telle approche de la part de non seulement fanatiques classiques comme les soldats, mais également animateurs, journalistes, pro-classio qui a fait propagande. Under the Wolf. Et mon cher Kadia, par rapport à la question posée au papa, moi, je réfléchis tout. Vous dites minute tout à l'heure, oui, minute, parce que rapport à la musique, rapport à l'industrie musicale haïtienne, moi, pas gagné. Je toujours qu'on prend la parole sur des causes comme ça. Même si je me des musiques en pile, je suis méloman, je fais analyse, etc. Mais moi-même, je suis dans une classe, je suis soldat, non? Je suis dans une classe, je suis dans une Richie. Mais je fais réflexion ça avant et je me dis, ben, c'est peut-être, ou bien raison, l'opposé de toute question pour dire, est-ce que ce n'est pas parce que mon ODF fait en parallèle, et pour me quand même dire, garder dualité, garder compétition, etc., entre classe et AFM, qui fait que vous misez sous classe et puis vous pas garder l'autre groupe. Alors que nous clair que Annie Alert son coquine chaîne chanteuse, nous clair que Beijing Cadillac qui est quelqu'un mené et qu'on pas parler d'une soirée que là dans on va parler de ça au côté comme support comme apport etc. Si au fait c'est parce que peut-être animateur là ou du moins fanatique classe là dit tête li, soirée a réussi parce que c'est soirée classe. Soirée a réussi parce que classe était là ou du moins soirée a réussi parce que Zafem font gros soirée ou du moins ça fait quelque temps la Zafem a fait événement, Zafem font soirée, c'est événement. Classe qui a fait événement tout. On a qui ça nous dégage dans la réflexion ça. Je pense que les fanatiques classe n'ont pas besoin de faire ça. Parce que la classe qu'on fait tout, la classe qu'on fait, la classe qui est classe. Mais si je dis à Zafem mené, si elle essaie de comparer les soirées, je pense que les gens sont vraiment peut-être pas honnêtes. Ou du moins, c'est le discours fanatique. Le discours fanatique pour qui ça? Parce que les soirées classe là sont soirées qui ont plusieurs personnes. C'est-à-dire tout le monde, il y a qu'à porter les gens. Si tout le monde a porté les gens, soirée à Rissi, soirée à Belle, classe porter les gens, et Beijing Cadillac qui a porté les gens, Annie Alert qui a porté les gens. Nous disons que son soirée réussie pour tout le monde. Nous avons fait des événements depuis quelques temps là, qui ont crasé les gens. C'est des événements qu'il fait pour contre lui. Donc, nous ne pouvons pas comparer. Ou du moins, nous ne pouvons pas comparer, mais nous ne pouvons pas garder comme qui dirait c'est on jazz, on jazz. Nous ne pouvons pas faire union. Dans la mesure où, grâce à Zafem, nous n'avons pas fait la même soirée. Nous avons fait soirée pour contre lui là, nous avons fait soirée à ton groupe monde. Donc, du coup, ce n'est pas même réussite là. Bah, c'est jusqu'à maintenant, ou du moins, jusqu'à ce que l'autre jazz qui vient détrôner Zafem là, moment, s'il n'a pas parlé de compétition, nous capables de dire clairement que ce n'est pas le même modèle d'activité et que ça fait ça l'a fait là pour que les gens qui détournent.
Donc du coup c'est événement. Peut-être si on te connait détourné dans l'époque, on soit quelqu'un qui te connait font bail avant, on soit qu'on jazz cap venir cap retirer sous connait, mais pour l'instant ben pas quelqu'un qui te connait ça fait. Donc ça l'affaire son bail extraordinaire et que me penser tout jazz haïtien, ta mérite t'es fait, ou du moins s'espérer faire un jour en vie quoi.